comment tu ferais, toi, Bubble? Non, sérieux. Non, ta gueule. Non, mais c'est bon, dis-moi-le. Et c'est quoi? Arrête de regarder la France, là. Mais t'es fou, on peut pas arrêter de regarder la là, France. Comment tu ferais, Boob, toi? Comment tu ferais pour te présenter, là? Mais t'es fou, laisse-moi écouter les hymnes, toi. Oh. Oh, ils sont embrouillés par mamie, Lunis. Eh, hey, mets ta main sur le cœur, mets ta main sur le cœur. Oh, mets ta marseillaise. Mais je m'en bats les couilles, man. T'en fous, là. Coeur, Eric. Eric, mets ta les main Gings. Sur le cœur. S'il te plaît, les Gings. Comment tu ferais, toi? Vas-y, fais-moi une petite intro, gros. Attends, là, il peut pas, là, c'est la... Eh, hey, Bubble, vas-y. Attends, c'est la marseillaise, écoute, Eric, t'es ouf, quoi? Mais cassez-vous de là, putain. Oh oui, c'est parti. Ah non! Excusez-moi, les gars. Bon, putain, quoi, les cons, ça me fait chier. Ça fait chier de dire oui, bonjour à tous, c'est KickedStar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, sérieusement, les mecs, ok. Je vais vous expliquer vite fait le petit projet que j'ai eu en tête là. S'il y en a qui étaient pas sur mon stream, parce que je l'ai dit plusieurs fois en stream, c'est très exactement de refaire partir l'e-sport d'un jeu à l'ancienne, c'est-à-dire de Medal of Honor Allied Assault. Le jeu, il est sorti en 2002, bon, il a 12 ans, il est un peu mort, voire même beaucoup mort, etc., etc. Et moi, je trouve ça pourri, les nouveaux jeux de merde, là, les Call of Duty, où tu dois faire des vieux kills tout pourris pour débloquer des autres armes et des skins camo, on s'en bat les couilles. Je pense que le pouvoir d'une équipe in-game, c'est carrément mieux. Donc, voilà. Par contre, je vais attendre 2 secondes. Hop. Hop, ok. Il faut très exactement, pour commencer, pour tous les gens qui sont intéressés, télécharger MoAC. Attendez que je regarde qu'il n'y ait pas une connerie là, YouPorn qui traîne, impeccable. Alors, hop, on va sur Google, on tape MoAC. On clique dessus. On fait download. Ok, donc je le télécharge. Je le lance. Next. Install. Bon, je l'ai déjà installé. J'espère que ça va pas créer des problèmes bizarres. Hein. On le lance. Ok. Il va vous demander sûrement de créer un compte. Mais moi, vu que je l'ai déjà fait, ça risque de ne point me le demander. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, il faut aller dans Utility, je crois. Make me stock. Je crois que voilà. Download moi. Vous n'avez plus qu'à cliquer là-dessus. Ça vous télécharge Medal of Honor. Ensuite, ça c'est le logiciel anti-cheat. Il y a tout qui est inclus. Donc une fois que vous avez téléchargé ça, c'est bon. Tu vois, il y a plus de problème pour l'installation et tout. Vous pouvez lancer le jeu sans clé CD vu que c'est un vieux jeu, etc. Pas besoin de ISO et tout ça. Ensuite, pour rejoindre un serveur, soit vous allez procéder... Attends, c'est quoi ça? Moi, je suis sur le site encore, là, on s'en fout. Soit tu cliques ici, tu mets l'IP, tu lances et ensuite... Ça va te demander, je vais pas le faire sinon ça va tout me dérégler, hein, parce que moi je passe plus par ça maintenant. Ça va te dire sûrement si tu veux rejoindre un serveur avec mot de passe que il te faut un pass. Ça va te dire wrong password bitch. Il faut ensuite que, je vais vous montrer, je vais lancer le jeu via autre chose. Voilà, donc moi j'utilise ça, j'utilise Xfire, c'est un putain de vieux logiciel où tu peux rentrer les IP directement. Donc ça c'est mon serveur KickedStar SMB Crew War, ok. J'ai plus qu'à cliquer là-dessus. Il y a plein de logiciels comme ça, donc je mets le mot de passe aussi directement ici. Pour les gens qui vont lancer le jeu... Merde, je sais pas si ça marche ou pas là. Attends. Il y a un schisme. Il y a un schisme. Est-ce que ça marche ou pas? Bordel. Est-ce que ça marche? Putain, est-ce que ça marche? Ok, je suis en fenêtre et je crois que ça marche. Hop, hop, hop. Donc bon là moi je suis sur le serveur mais pour vous si vous connectez directement via le logiciel, si vous n'avez pas trouvé d'autres logiciels justement pour vous connecter sur un serveur Medal of Honor, ça va vous mettre sur la console là à la place du jeu, il y aura marqué wrong password. Donc vous allez ouvrir la console avec le petit 2 une fois que c'est activé et vous allez mettre tout simplement password SMB admettons, après tu fais reconnect. Voilà, bref. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble le jeu.
Franchement, il paye pas de mine le jeu, mais il touche de ouf, ça touche super bien et c'est un putain de jeu compétitif quoi, voilà. Après, le charme de ce jeu, c'est réellement le clip, c'est-à-dire c'est ça quoi. Tu te penches à gauche et à droite, c'est ça qui va, enfin c'est ça qui fait que le jeu est monstrueux quoi. Il y a beaucoup de jeux qui ont imité celui-ci, mais ça a été que des putains de vieux fails navets tout pourris. Tu vois, genre là, tu clips en mode coma, c'était super bien. Le mec en face, il te voit presque pas. Tu peux décaler. Les balles, elles vont super droite. Hein. Y a pas de problème. Par contre, là, j'ai un petit problème de FPS. Je sais pas pourquoi. Bref, je vais quitter. Je vais ensuite vous dire que je vais sûrement essayer de lier. Putain, ça. Oui, c'est bon, ça marche. Je vais sûrement essayer de lier. Mon site dans kicketstar.com avec un forum entre guillemets compétitif. Hop, kicketstar.com. Il y aura sûrement par là ou je sais pas où, on va marquer forum. Donc tout le monde pourra créer un compte dessus ou s'identifier avec Twitch, avec ses identifiants de Twitch TV. Et on pourra donc, voilà, s'il y a des gars qui recherchent d'autres gars pour jouer, on va mettre un test à disposition. Je vais essayer de voir s'il y a beaucoup de gars d'intéressés de mettre un deuxième ou un troisième serveur à disposition. Tous les gens qui sont chauds, chauds bouillants pour vraiment commencer à strater ou à connaître le jeu, à faire des 5v5, des 4v4, des 3v3, vous pouvez me MP directement sur Twitch ou sur YouTube en bas de la vidéo pour les informations du serveur Medal of Honor. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Je pense que je ferai peut-être une deuxième vidéo. Je marquerai en dessous de cette vidéo la suite logique. La suite logique, c'est censé être un deuxième jeu, c'est-à-dire on va alterner chaque semaine avec un jeu différent. Bon, il y aura deux ou trois jeux pas plus, style une semaine en mode compétitif que Medal of Honor. Je pense qu'il y aura pas mal de gars motivés pour faire des matchs sur mon stream. Et ensuite, la semaine d'après, ça sera sûrement Call of Duty 2. D'en profiter qu'il y ait les promotions Steam là pour aller pécho une petite clé, ou sinon il y a des sites de clés qui proposent le jeu à style 8 ou 9 euros. Le troisième jeu, je sais absolument pas qu'est-ce que ça va être, on y réfléchit vite fait, mais ça se trouve il n'y en aura que de Call of Duty 2 et Medal of Honor. Je pense avoir tout dit, je vais essayer de vous glisser juste à côté une petite vidéo d'un match si j'arrive à trouver ça. Je pense que je vais aller recorder ça sur YouTube ou quoi. Ou sinon, je vais mettre une vidéo à moi. Une vidéo à l'ancienne. Et puis, je vous dis à plus! Et j'espère que vous allez kiffer le projet, que vous allez vous mettre, vous impliquer à fond. À fond, c'est un bien grand mot. Enfin, qu'il y a au moins des personnes qui essayent de monter une petite line-up et qu'on se foute sur la gueule, sachant que tous les matchs qui vont être faits, ils seront en direct bah, sur mon stream comme d'habitude, c'est-à-dire dès qu'il y a 5 ou 6 personnes, enfin 4 ou 5 personnes plutôt, les matchs c'est 5v5, pas plus à mes yeux, qui sont chauds, qui sont sur mon stream pour faire un petit match, bah, ça sera fait directement sur le live. De manière que voilà quoi, il y a un petit peu de compétition un peu, et pas des jeux de merde où tu débloques des camos virtuels en or, on s'en bat les couilles. Je vous dis à plus les mecs, si merde d'avoir Watch! Allez, peace!